Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des produits de bourse avec Trading Central. On commence avec l'actualité du jour avec Atos qui annonce que ses actionnaires ont approuvé un programme de rachat d'actions. Le montant de ce programme peut aller jusqu'à 2 milliards d'euros, ce qui représente 10% des propres actions du groupe. Les analystes de l'Obsa sont haussiers, visent des cibles à 119,90€ et 121,75€. On continue toujours dans l'actualité avec L'Oréal qui annonce l'acquisition de Pulp Riot, une marque de coloration professionnelle américaine. La marque a été lancée en 2016. Son chiffre d'affaires a atteint 11 millions de dollars l'année dernière. Les termes de l'opération entre L'Oréal et Pulp Riot, eux, en revanche, n'ont pas été communiqués. Les analystes de l'Obsa sont haussiers et visent des cibles à 212€ et 216€. On passe à la stratégie du jour maintenant et on s'intéresse à Capgemini. Graphiquement, le titre se trouve bien orienté après avoir dépassé le 27 avril dernier la borne haute d'un canal haussier en place depuis mars 2017. Les cours, eux, sont supportés par la moyenne mobile à 20 séances ascendantes à 115,10€. Pour ce qui est des indicateurs techniques, le RSI, Relative Strength Index, s'est posé sur un support autour des 50% et se retourne à la hausse. Côté prévision, on attend donc une poursuite de la phase de progression, avec pour objectif les cibles situées à 117€ et 125€. Pour appliquer sa stratégie, on peut se porter à l'achat sur le Warrant Call 6741T émis par UniCredit, un Warrant Call de prêt d'exercice à 120€ et de maturité au 19 décembre 2018. Et puis on termine avec un coup de projecteur sur le CAC 40. Graphiquement, l'indice parisien consolide les gains de ces dernières semaines après avoir buté sur une résistance autour des 5667 points. Les cours effectuent un rebond technique de court terme sur la moyenne mobile à 20 jours, située à 5556 points. De son côté, pour finir, l'indicateur RSI se retourne et reste dans sa zone d'achat. Pour ce qui est des prévisions, on n'exclut pas la possibilité d'un rebond technique à court terme, mais on s'attend surtout à ce que la tendance haussière en place depuis début avril laisse place à une phase de consolidation corrective située sous les 5667 points et orientée vers les cibles à 5483 et 5419 points. À cet effet, on peut se porter à l'achat sur le Warrant Put 4398T émis par UniCredit, un Warrant Put de prêt d'exercice à 5500 points et de maturité au 21 septembre 2018. À la Bourse de New York, c'était Marie Gintrich pour Trading Central. Une petite précision pour la semaine prochaine, il n'y aura pas de reportage ce lundi puisque les marchés seront fermés ici à New York pour le Memorial Day. Je vous dis donc à mardi et je vous souhaite un excellent week-end.